Oui, bonjour, Jean-Luc Coupet, société Sobemscam. Je suis directeur d'innovation et expert mobilité électrique. Alors, qui dit innovation dit produit nouveau, celui qu'on a devant nos yeux? Voilà, donc c'est une borne de recharge pour voitures électriques qui permet de recharger en stationnement, donc en longue charge, c'est-à-dire entre 8 et 11 heures selon le type de véhicule, ce qu'on appelle la charge normale, et en charge accélérée, donc en 2 heures, on va pouvoir charger une voiture électrique à partir d'une prise qui est un standard utilisé en France. Alors, qui sont vos clients? Alors, nos clients, ce sont les installations publiques, donc les collectivités, mais également le privé, c'est-à-dire que dans le privé, on va retrouver les distributeurs d'énergie, hein, qui sont par exemple l'UM, voire également les supermarchés, les entreprises et les copropriétés. Alors, est-ce qu'il y a un engouement aujourd'hui sur ce type de produit? Alors, comme je dis souvent, c'est la poule et l'œuf, c'est s'il y a des voitures, il y aura des bornes, s'il y a des bornes, il y a des voitures. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment que tous les pouvoirs publics et également les entreprises prennent conscience que la borne de recharge est un élément important pour pouvoir se charger facilement un peu n'importe où. Et les constructeurs automobiles commencent à sortir des véhicules très intéressants au niveau de l'autonomie, au niveau des capacités et au niveau du confort également, puisque le fait de conduire une voiture électrique est beaucoup plus intéressant aujourd'hui. On roule plus zen en voiture électrique et je conseille à tous les internautes et tout le public à essayer les voitures électriques. Alors, cet engouement va se développer normalement de plus il y aura de voitures et plus il y aura de bornes de ce type. Voilà, tout à fait. Donc, il y a des réglementations qui commencent à se mettre en place. Il est prévu à terme 10% des places de stationnement pour la recharge des voitures électriques, ce qui permettra de pouvoir se recharger pendant la nuit, quand on est résident dans une ville, ou dans la journée, pendant que l'on est au travail, sachant qu'aujourd'hui, 95% des recharges se font à la maison et au travail, avec une base de 25 à 40 km de trajet par jour pour la majeure partie des utilisateurs de voitures en général. Alors, comme vous l'avez montré, c'est très simple d'utilisation. Alors effectivement, donc ici bien sûr c'est simplement la prise de courant, donc vous avez un câble, la voiture, et vous venez vous brancher directement sur la borne. Et là on a un système qui est très facile d'usage, puisque avec un simple téléphone, donc vous pouvez vous inscrire sur le site internet et vous pouvez accéder avec un SMS en répondant simplement au code qui est proposé sur la borne. Alors pour plus d'informations, la voiture électrique est en plein développement, les autonomies des batteries commencent à évoluer, on commence à parler de 250 km d'autonomie. Bien sûr, il y a plusieurs techniques de batterie, mais la plus utilisée aujourd'hui, c'est la batterie lithium-ion, qui offre des avantages techniques par rapport à avant le plomb. Donc voilà, je vais sur mon site pour accéder à la prise. Donc là, j'ai bien sûr mon numéro de téléphone déjà enregistré. Donc c'est où je vais envoyer mon SMS. Donc j'arrive avec la voiture devant la borne. Je choisis la prise de courant. Voilà, donc je dois envoyer le code 7516. Donc là, je tape directement sur mon téléphone 7516. Que j'envoie. Le système va recevoir mon message. Voilà, je suis bien en ligne avec le serveur. Le serveur me donne l'accès à la prise. Donc j'ouvre la trappe d'accès à la prise et je branche ma voiture. Voilà, donc la prise là maintenant est bloquée et la charge et commencer. On va pouvoir visualiser ici les consommations, la durée de la charge et éventuellement la valeur de ma charge.